vous pensez, si vous pensez que Alpha Condé est éternel, vous êtes trompé. Si vous pensez que Alpha Condé ne peut pas mourir, qu'il est immortel, vous êtes trompé. Si vous pensez que c'est vous qui va rester éternel au pouvoir en Guinée, vous êtes trompé. Tous les sauces à un commencement, à un fin. Vous donnez un mauvais exemple dans l'histoire de la Guinée. Vous vous faites une honte pour la Guinée. Vous faites donner le mauvais exemple pour l'histoire de la Guinée. Vous donnez le mauvais exemple au peuple guinéen. Vous laissez une mauvaise héritage à derrière de vous. Mais le problème des talibans là, le problème de l'Afghanistan doit vous servir comme une conscience. Ça doit vous servir une prise de conscience. Moi, Fodi Diakité, citoyen d'honneur de la République de Guinée, moi, je ne peux pas être mal avec ma conscience. Je vais être tranquille et sincère et transparent avec ma conscience. Moi, le premier mandat, 2010, je sais que Alpha Condé a gagné illégalement des pouvoirs. Alpha Condé est venu au pouvoir manière illégale, manière illicite, manière fraudulente, manière trisée, manière qui n'ont pas tout adéquat. Mais moi, faut déjà quitter, je n'ai pas opposé à Alpha Condé son premier mandat. Malgré, il a fait les parcours, il a violé tous les principes démocratiques, malgré, il a violé toutes les lois fondamentales de la Guinée. Depuis son premier mandat. Parce que son premier mandat, normalement, il a gagné de manière illégale, illicite. Après, il a fait une prestation de serment. Son premier mandat. Après la prestation de serment, il a violé tous les principes démocratiques en Guinée. Il a violé son serment. Depuis le commencement de violation de son serment, depuis le moment il devenait un président illégal, un président illicite, un président qui doit être combattre. Mais moi, faut déjà quitter, je dis que ça peut être erreur humaine. Parce que toutes les personnes ont une bonne qualité, ont une mauvaise qualité. Toutes les personnes ont une qualité, ont un défaut. Je dis que ça peut être son défaut, peut-être il va corriger avec tout le temps, depuis le moment qu'il était opposant, il a envoyé des rébellions en Guinée. Il a envoyé à plusieurs reprises, créer le tribalisme, créer les conflits, créer une instabilité pour déstabiliser la Guinée. Je pense que, je dis que peut-être ça peut être une erreur pour lui. Mais dès qu'il est venu au pouvoir, peut-être il va corriger ce défaut-là. Mais il n'a pas corrigé. Maintenant, dès qu'il a fait prestation de serment en 2010, maintenant, il a fait parcourir cette prestation qu'il a fait devant Dieu, devant les hommes, devant la loi guinéenne, devant toutes les institutions guinéennes, devant les institutions internationales, la prestation de serment, le compromis moral qu'il a fait au devant du peuple, il a violé ce serment. Mais malgré tout ça, là, je dis que peut-être ses conseillers, son entourage, ils vont le corriger pour qu'il n'a qu'à corriger ce défaut-là. Peut-être il va passer une autre méthode. Mais cela n'a pas été le cas. Après, on a continué jusqu'à son deuxième mandat. Deuxième mandat aussi, il a gagné de manière illégale. Mais il a continué violer toujours la loi. Il a continué catastrophe. Plus que son premier mandat encore. Mais cela, je dis que bientôt son pouvoir va finir. Donc, on va laisser, parce que la Guinée, notre constitution a dit, c'est des mandats
des mandats non renouvelables. L'article 27 de la Constitution guinéenne. Que personne n'a le droit de faire troisième mandat. Donc je dis que son deuxième mandat, c'est là, c'est son deuxième mandat, c'est son dernier mandat. Je dis que ce n'est pas la peine, je vais le combattre. Je l'ai laissé à Alpha Condé. Maintenant, où j'ai commencé de combattre jusqu'à mon dernier énergie, je opposais à Alpha Condé farouzouma, je vais être opposé jusqu'à mon dernier énergie. Si ça va me coûter la vie, je suis prêt pour qu'il n'a qu'à coûter, ça me coûte la vie. Si ça va me coûter pour être en prison, je suis prêt pour être dans les prisons. Si ça peut me coûter pour libérer la Guinée, je vais libérer la Guinée. Mais j'ai opposé farouzouma à Alpha Condé. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je opposais farouchement Alpha Condé dès que je vois qu'il voulait un troisième mandat pour briser un troisième mandat, manipuler les constitutions à son faveur, donc triser, effrayer, intimider avec toute l'impunité, tout le tribalisme qu'il a créé, tous les conflits qu'il a créé. Malgré tout ça là, il n'a pas fait inconscience. Lui, il a voulu extrémiser au pouvoir depuis le moment, hein, mon bébé. Attends. Depuis en ce moment, je dis que donc il n'a pas mérité de respect parce qu'il a manqué de respect plusieurs fois, en plusieurs reprises au peuple guinéen. Je dis que le respect c'est réciproque. Tu dois mériter de respect, après on te respecte. Maintenant, je calcule, je dis qu'il faut déjà quitter. Tu dois te poser la question. Qu'est-ce que Alpha Condé a dit avant? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alpha Condé a dit que la guerre, on ne le fait pas pour le diamant. La guerre, on ne le fait pas pour l'or. Que la guerre, on le fait s'il n'a pas la démocratie. Maintenant, le moment que lui, il est en France, lui, il a dit qu'il a fait combat pendant 40 ans de combat. Il fait le combat, il dit qu'il voulait la démocratie dans notre pays. Il a fait 40 ans de lutte, il dit qu'il est panafricain. Il a fait 40 ans de la Guinée, il a dit que lui, il va restaurer un état de droit dans notre pays. Maintenant, après lui, il a dit qu'il est professeur de droit. Il est professeur de l'Université Sorbonne, professeur de droit. Quelqu'un qui connaît son droit et devoir. Un intellectuel taré. Parce que je vois Alpha Condé, c'est un intellectuel taré. Un intellectuel taré, et on doit le montrer. La Guinée, si lui, il est taré, nous, on n'est pas taré. Donc, raison pour laquelle, donc, je vois, farouzouma, je dis que je dois opposer. Ce n'est pas parce que je suis contre Alpha Condé. Non, je ne suis pas contre Alpha Condé. Moi, personnellement, il n'y a pas un problème particulier et spécifique qui est entre moi et Alpha Condé. Il n'y en a pas ça. Mais il y a un problème commun, c'est l'intérêt supérieur de la Guinée, intérêt supérieur de la nation, c'est notre pays. C'est devant l'honneur et la valeur de mon pays. Je vois que l'unité nationale est en danger, la tissu sociale est en danger, le progrès de la Guinée est en danger, le bon vivre ensemble de la Guinée est en danger. Raison pour laquelle, c'est ça qui m'a poussé de défendre ma conviction et défendre de la Guinée et défendre les Guinéens. Je sais que tu sais, Sedna Ali a dit, Karamallah Wajahou, il a dit que la pauvreté, qu'on ne doit pas être d'accord, on doit lutter à toutes les possibilités pour combattre la pauvreté. La pauvreté, c'est une maladie difficile à soigner. Alpha Condé a profité. La ignorance, c'est un problème, c'est une maladie. La Guinée a des maladies. Il y a des maladies gravement qui est dans notre pays, qui est difficile à soigner. Il y a des pauvretés. La pauvreté, c'est une malade qui est difficile à soigner. L'ignorance, c'est une malade difficile à soigner. Trop ignorant, trop pauvreté. Alpha Condé a profité la pauvreté et l'ignorance des Guinéens pour faire les bêtises politiques, faire n'importe quoi dans notre pays pour manipuler les populations guinéennes. Donc, si lui, ce qu'il se réclame, intellectuel. Un intellectuel, c'est quoi? Quelqu'un qui aimait son pays. Un intellectuel, c'est quoi? Quelqu'un qui aimait son peuple. Un intellectuel, c'est quoi? Quelqu'un qui savent, qui peut réfléchir, analyser. Donc, donner une porte de sortie de son peuple. Donner une solution à son pays.
C'est ça que nous, on appelle un intellecté. Un intellecté, c'est, ça ne suffit pas seulement tu vas aller à l'université Sorbonne, avoir un diplôme université Sorbonne, ça ne suffit pas être intellecté. Un intellecté, quelqu'un qui peut réfléchir, quelqu'un qui peut analyser, quelqu'un qui peut donner la solution. Quand il y a des problèmes dans son pays, quand il y a une catastrophe dans son pays, quand il y a une quelque chose qui donne beaucoup d'inquiétudes, déstabiliser de son pays et donner la solution. Et qui réfléchit pour trouver une porte de sortie. C'est ça que nous, on dit intellectuel. Mais un intellectuel qui est contre de son pays, un intellectuel qui est contre de l'unité nationale de son pays, un intellectuel qui est contre pour vivre ensemble de son pays, un intellectuel qui est contre pour le progrès de son pays, un intellectuel qui est contre de la loi fondamentale de son pays, un intellectuel qui est contre le droit constitutionnel de son pays, un intellectuel qui est contre même pour que son pays peut avoir une progrès et une paix de cœur. Ça, on appelle ça intellectuel taré. C'est intellectuel taré, un intellectuel ignorant. Donc, qualification, il n'y a pas un autre mot de qualification à Alpha Condé. C'est un intellectuel taré, c'est un intellectuel ignorant. Raison pour laquelle je trouve une obligation morale à ma personne, je dis que Alpha Condé, qu'on a dit qu'il est intellectuel. Alpha Condé, qu'on a dit, il a vécu ici pendant 40 ans. Au moins, même si tu n'as pas été à l'école, mais si tu as pris école de la vie pendant 40 ans, toi, tu es occidentaux, en Amérique, en France, toutes les puissances mondiales là, pendant 40 ans. Ça doit te servir une bagasse intellectuelle pour donner la solution de ton pays, pour défendre l'honneur et la valeur de ton pays, pour être espoir de ton pays, pour être une solution pour ton pays. Mais si toi, l'expérience que toi tu as vécue, le diplôme que toi tu as eu, ça crée un obstacle pour être un obstacle de bien-être de ton pays. Ça, on appelle ça intellectuel taré, intellectuel ignorant. Raison pour laquelle, comme je vois ma manière de compréhension, je dis qu'Alpha Condé, c'est un intellectuel taré. Alpha Condé, c'est un intellectuel ignorant. Alpha Condé, c'est quelqu'un qui est contre de la Guinée, contre les Guinéens. Raison pour laquelle, c'est l'un des raisonnements que je réfléchis, je dis que je vais combattre Alpha Condé. Parce que lui, il a dit que la guerre, on ne le fait pas pour le diamant. La guerre, on ne le fait pas pour l'or. La guerre, on le fait si il n'a pas de démocratie. Que lorsque chaque élection, que pouvoir en place, c'est frauder, c'est maintenir au pouvoir, que qu'est-ce que tu vas faire? Que tu vas recourir des armes de guerre. Moi, je n'ai pas de moyens, je ne ferai pas. Même si j'ai des moyens économiques pour prendre l'arme de guerre, je vais penser des paisibles. Ces pauvres populations, je ne prends jamais la guerre, les armes de guerre pour aller combattre mon pays. Je ne serai jamais quelqu'un qui va organiser une rébellion contre son pays. Non, je ne ferai jamais. Je ne peux pas être et je ne ferai jamais. Je ne peux pas créer une milice comme ce qu'Alpha Condé a rentré de fait dans notre pays. Alpha Condé a créé une rébellion depuis l'année 2000. Depuis 1970 d'abord. Le 22 novembre 1970, Alpha Condé a créé le premier rébellion dans notre pays. Le 22 novembre 1970, on a eu massacre, 360 Guinéens a été victime à cause de la rébellion de Alpha Condé. Le 22 novembre 1970. Après l'année 2000, il a envahi des rébellions. Donc, Guéguédougou, Madina Oula, Sougueta, etc., un peu partout de la Guinée. Donc, Alpha Condé a envahi des rébellions. À part de ça, il a créé groupe Ilimo. Des rébellions dans notre pays. C'est à cause de ça que Ahmed Damaro Camara a dit on n'apprend pas la guerre, on n'apprend pas la guerre au Kenya, qu'ils ont vécu la guerre à Liberia, Sierra Leone, etc. Que la Guinée, ce n'est pas le fait de peur pour créer la guerre civile en Guinée. Ahmed Damaro Camara a dit ça en public. Donc nous, on n'est pas rébellion. Nous, on n'est pas milice. À part de ça, Alpha Condé a créé le Donso. Le Donso de Tchad. Le Donso de Burkina Faso, le Donso de Mali, le Donso de Côte d'Ivoire, il a amené tous ces Donso-là en Guinée pour créer un groupe milice qui peut massacrer à la population, qui mange les gens et la viande d'être humaine.
Donc, notre constitution a condamné que personne n'a le droit de créer parallèlement une force de l'ordre, un militaire parallèle ou bien un groupe milice parallèle. Mais Alpha Condé a fait ça dans notre pays. C'est la raison pour laquelle le raisonnement de rébellion que Alpha Condé a organisé dans notre pays contre la Guinée, c'est Kaoukaré, paix à son âme, M. Konaté, ancien ministre de l'alphabétisation de la Guinée, Kaoukaré qui vient de décéder là, Kaoukaré, ancien ministre, lui, il a écrit un livre expliquer la situation de rébellion en Guinée, expliquer la vraie visage de Alpha Condé. Depuis ça, Alpha Condé a interdit ce livre-là. Alpha Condé a fait une interdiction qu'on ne peut pas vendre ce livre-là. Depuis le jour que Kaoukaré a écrit ce livre-là, avant qu'il va se publier, il est parti soumettre ce livre-là à Alpha Condé. Depuis Alpha Condé a vu ce livre-là, c'est l'un des raisonnements, il a limossé Kaoukaré dans les postes ministériels. Avant de interdiction, les ventes de livres-là, avant qu'il va interdire les ventes de livres-là, Alpha Condé a suspendu d'abord, Alpha Condé a suspendu et il a limossé Kaoukaré dans son fonction à cause de ce livre-là qu'il a écrit. Maintenant, ce livre-là, certaines personnes, je ne peux pas dire c'est vrai, je ne peux pas dire non, c'est pas vrai. Je ne suis pas là pour faire la justice. Mais certaines personnes ont dit, à cause de ce livre-là qui a causé la mort de Kaoukaré, à cause de ce livre-là qui a causé la mort de Kaoukaré, certaines personnes, c'est ça qu'ils ont dit, qu'à cause de ce livre-là, ils sont empoisonnés ou bien ils sont tués à Kaoukaré, à cause du livre qu'il a écrit pour parler le vrai visage d'Alpha Condé pour le cas de rébellion. Tout sur Alpha Condé a nié, il dit que la Guinée n'a jamais connu des rébellions. Tout sur parce qu'il a dit que le plus le mensonge est gros, le plus le Guinéen vaut le croire. Lui, il pensait que s'il parle le gros mensonge pour venir mentir aux populations guinéennes, que le Guinéen vaut le croire, que la Guinée, que lui n'a jamais organisé des rébellions contre la Guinée. Mais comme Kaoukaré a écrit un livre, cet livre-là, certaines personnes, je ne suis pas là pour dire oui, c'est vrai. Je ne suis pas là pour dire non, c'est pas vrai. Mais certaines personnes ont dit, c'est à cause de ça qui a causé la mort de Kaoukaré. Donc, vous allez voir, Amadou Kenema, qui est mort là, même aide de camp de Fabou Camara, qui est mort là. Tout ça là, la situation n'est pas été claire. La mort de Kébé aussi, ancien président de la CENI. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Leur mort n'a pas été claire pour la population guinéenne. Nous, on ne peut pas dire 100% ils sont, c'est Alpha Condé qui a tué. Mais on a des doutes. La manière qu'ils sont morts, la manière qu'ils sont décédés, la circonstance qu'ils sont décédés, même Général Korka Diallo, etc. Beaucoup de personnes qui sont mortes, on a des doutes. Je ne peux pas dire que c'est Alpha Condé qui a fait avec son clan. Non, je ne peux pas dire ça. Mais nous, on a des doutes. Réellement, beaucoup de Guinéens ont des doutes de leur mort, à cause de leur mort. Maintenant, Alpha Condé n'a jamais été une personne, une bonne personne. Je vous avais dit en plusieurs reprises. L'accident de la Guinée, le problème de la Guinée, la malédiction de la Guinée, c'est la naissance d'Alpha Condé au sol de la Guinée. Depuis Alpha Condé est né en Guinée, il est né, il est guinéen, la Guinée n'a pas eu la paix à cause d'Alpha Condé. Mais son âge est déjà avancé. Toutes les personnes sont mortelles. Mais quand on regarde la visage d'Alpha Condé, quand on regarde le corps d'Alpha Condé, quand on regarde de vendre d'Alpha Condé, son ventre, quand on regarde la manière qu'il s'arrête, on sait que c'est quelqu'un qui ne peut pas prendre beaucoup de temps. Personne, tout le monde est mortel, mais il est très proche aujourd'hui, la mort qui pour être vivant, éternel. Donc, mes frères Malinké aussi, mes frères des gens de RPC Arc-en-Ciel aussi, ce que j'ai écrit comme livre et comme titre de mon vidéo, vous devrez être conscient. Et ce pouvoir-là peut renverser
au jour où on l'a nommé. Cet pouvoir-là peut bouleverser, peut renverser au jour où on l'a nommé. Vous ne savez pas, vous ne serez pas jamais. C'est Dieu seul qui sait ce qui va venir demain. Mais si le pouvoir est renversé, vous, vous avez mal, vous avez implanté un arbre très mauvais, vous avez implanté quelque chose qui est très mauvais, qui va être une bombe atomique contre certains malinqués, ça aussi, avant que ce soit tard, je vous supplie, vous devez corriger. Vous devez corriger. Vous devez corriger. Vous devrez corriger ça, vous devez corriger. Parce que rien n'est éternel dans cette terre-là. Toutes les choses ont un commencement, à un fin. Le Talibanien, ils sont fait plus de 20 ans et quelques. Les Américains sont envahis leur militaire là-bas. Et Afghanistan. Combien d'années il y a des militaires, américains qui sont Afghanistan? Aujourd'hui, pour ils sont massacrés combien de Talibaniens? Combien de morts a eu des Talibans à Afghanistan? Mais aujourd'hui, c'est le Taliban là qui sont au pouvoir. Malgré, il y a des mondes qui vont mettre les sanctions sur eux. Ils vont les sanctionner. Mais même s'il y aura des sanctions, mais ils vont diviser. Vous dites que le peuple, la communauté peuple ne sera jamais président en Guinée. C'est ça qu'il vous dit. Quand vous dites que celle-là ne sera jamais président, je vais dire celle-là, c'est une personne individuellement. Il est mortel, il va être vieux. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir. Mais quand vous dites que le peuple ne sera jamais président en Guinée, qu'ils sont étrangers, vous devrez penser, personne ne savait ce que, qu'est-ce que ça peut être l'avenir de demain. Ou bien quand un forestier, ou bien quand un soussou, ou bien quand une autre ethnie. Si vous réglez, aujourd'hui vous dites qu'en Bansané, vous dites que tout ce que vous faites en Guinée, aujourd'hui, vous dites que c'est le Malinké qui est au pouvoir. C'est Malinké qui va être au pouvoir éternel. C'est ça qui est votre pensée. C'est ça qui est dans votre tête. Mais vous devrez connaître, c'est pas le Malinké seulement qui est le propriétaire de la Guinée. Tous les fils de la Guinée ont des droits et devoirs en Guinée. Tous les fils de la Guinée peuvent être le premier dirigeant, premier magistrat suprême de la Guinée. Donc, vous devez penser ce que Mouridialidine Nkouyaté a donné comme conseiller. Mouridiali a dit que si nous sommes là ballon, si nous sommes là ballon, qui va que manger à la yessinisi, il va que ouditi à la yessinisi, il va que seramaya à la yessinisi, il va que il a nafluti à la yessinisi, il kira fin fendi, dunyare yessinisi, que sommes là ballon. Alors les cas nous donnent la banane maintenant, mais si c'est moi la banane, donc Mouridiali dit nous qui a été caoulé conseil dit, donc on va dire maman les cas, on va dire maman des noms. Bekanyamana molo, anye sinisi. Anye sinisi kamiri, kafo, koube labanto to nyalema, koube labanto alatalema. Il est dit tafo, il est dit la miriake, me wati le yala. Sinin, mobrele fananye nala, il est placé mena mobrele nala wotala. Me nika exemple djouta kadila jamanama, ika exemple djouta kadila jamana dinoma, ika miria djouta kabla molokundo, ninkou nara sansi ou kofe lala. Sansiman, aika nima de mensino adina ki nimsa di, mfalo, san ni nimsa yina, anye kran, ka soliso nini, ka dia fatra yon fe, kan bouloudi yon ma, men kira ou brake, anye nimsa, ka fo, mon kelim fate tout la salinya rode, bi il est laissé ni mobrele. Dunya yite nyale. Mba di mama nyinkalo. Akolon, nanam fala fe mba embari nye maninkebe. Naka yike man nyakonde. Dunya, sanseman sanseman nara. Khoronde nan nana, tonde nan nabe, tina mekbe tina famana. Morijal dini nake, morijal naka has, esigi kuya naka ikhatina yara doko ina fe haina mangi yara ikhatina yara doko haina nafuliti yara nafulikanyina yara ikhatina yara doko ha setari na ikhatina yara doko ina fe fihuma ikhatina yara doko akolontona tina fanna horobara dangi dunia kisa kanara horona horobara dangi unna to tina fanna mekuyo makolo na kamfama tina mena hambari hambari malinki ibara
manière n'yarira son mérite connu et bara massing aitanambe la guinéra et bara la guinée findi le fure de araba ab asa ikerendema et bansandema et nara on bansane anara modoro nara on ta malinke wondoro nara donc voilà n'on va bien findi république de mandengre la guinée malinke nambe la guinéra tina est-ce que miracle on a un fama dadis fane bien nda colon dadis nde dadis colon nda colon dadis non ma fa de pouvoir Alpha Condé bar Fourigo, a Fouriti Hayara, a Rafi bar Lohulo, Alpha Condé bar Honakana, donc tout à Tanana Natina de Tefan Nomanade, Fadi. Pouvoir Mukoloma, Betefan Nomana Fouli Bébé Sotodi, Uma Kolo in Ram Sendema, Alaho Natanga, ou Rafa, Ben Rafendi Retara, Mari Maninke, ou Haki Mad Harlaginekema, ou oka mri mak khari khadi alani annabi khafira onna ganna ba khanya khira alaki ki khadi awma onna ganna ba khafani khafani mato nyaari na ganna na findi erreur nanna be na khafindi trotar da oka oka khariti alani annabi khafira bi khadi aborima on khawm bil khaso on borira on khalla gine be nyere ala ko na khafindi trotar parce que o wuri na khan sink la gine ko wuri nyaari nara o bara wuri nyaari sin Ben nara sans signare bogi. Au bar ourisin. Ben na ouri sans signare bogi. Ben nara sans signare bogi. Au katawana ouri haba. Habana. Hana sanke ou habirimbana. Hanamara. Afindi manim senan. Fefe. Fefe. Luna fefe. Afolode nanara. Nunye fanana. Ibara talibaito. Afogana distan. Nye mouhe nende na grema sofe. Ala ko taliba e wa ma fa fe mangiara mais yo mama nyakunu taliba no ma jigire no ma gire sin de khay gagne khay tan kha e kha pale masuto mais to itanan nana arafa mi ma itanan nana amura fa mi ma itanan nana tinan na kan ku yeba ma mi mo na takulo mi wona na to na fa fe donc en barbori maninke uri nyahi na kan sin watala ohana asanke ohabintala ohasanke bintala nana fi saube bena afindi retara jama lagine sido maninkebe maninkabe kuyon andu pidi dinfo no wodi ka fudete no wodi ka lanete on toti legal bongal do yorima duma bonde de be worima pidi bondi koyon tajum joni ite haydadi din fi watawrim parce que ko wadon ko wona ko moji yon toro hakke e population lagine inni yobe yafu ko bonnu donko dundo woni nimsa on nimsi on tori yafu gorgol yon andu fi lagine ya yeso fi watawun parce que on wadi exemple mojo atayi kono nini ko pidi bondi exemple bondi jiku bondi jokudo andu le pidi dinfo goto anda ko hondo arta jango hidai hande hanki feji medo hande jango ko Allah subhanahu wa ta'ala tu andi ko arta jango hande jogudo dole ondo wawa wonde ade aden jasudo jango jogudo dole hande marube dole hande marube jawdi hande bendo no way wonde imbe jasudo jango Allah subhanahu wa ta'ala no way wadudundo pijidi no way sansude hay goto anda jango ko hondo arata hanki wobbe ko no mari dole hande bendo ala dole hande hido mari dole jango no gasa ko wobbe kadi marata dole kono non si tayo on miji tike on marai fi jango doye wona nimse doye me hewta harika me hana hewtude parce que legal ko tutu donc legal ko legal bondo tutu donc legal bondo tutu donc Alpha Condé wona ade mojo on wadi mijoji bondi ka imbe ka hore imbe be on wadi piji bondi ka lagine on boni lagine on bonani bibbe lagine be yarlal be yafal me yafata jonno sitay on torale hakki sitay be yafal dundo wona problème njano dundo wona sabu fi wondugal jam engo no waye no satta fi yo wondugal amengo wela hande no hido sikiko ono mari dole kon Allah subhanahu wa ta'ala tagudo kam muye leydi
Allah subhanahu wa ta'ala tagime ko kanko tagime ko kanko warami Allah subhanahu wa ta'ala o yini ko kanko mar dole o jonne dole adam mo yidani o jettay kadi dole mo adam mo yida mo anani jonno o yo ando o dundo no wawi sansu de zuru allando me dundo no wawi sansu de dole ko mar don ko o wawi wonde adam jaso do janko o wawi wonde adam laifujo adam jaso do adam mo wawa na haifusu janko dundo Allah subhanahu wa ta'ala no wawi sansu de hi wata on siku sondari hisatu wobbe histoire di goddi on anday wobbe Allah subhanahu wa ta'ala hay besikube okambe hebe mar dole fo wobbe no wodi histoire di goddi ko feji wobbe wi okambe hebe mar bibbe buy hebe mar sardenji hebe mar kalisi ibe mari rewbe moja ibe mari jamaaji de fo e hakone mabbe Allah subhanahu wa ta'ala nyande o pari o sarde jidi o bonni bibbe be o bonni piji di fo Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko mari dole ko kanko ni sanso ko moji ko kanko ni sanso ko bonni hande hida mari dole ko jango wawa e wonde ma hara wawa ta hay fusse hore ma si wona goddo wada nima joni no anga inni ko an amijaki jango akadi ara kono non toujours kala ko watta ko ya wadu kono wada limiti e mudo alqur'an wi hande awawai anyu de goddo hande jango ondo wona gidoma awawai habdu e wonde goddo wada gidoma hande jango ondo wona ganyuma joni non sa habda e goddo ko ya wadu kerol wata feji na pandi sayida e goddo kadi ko ya wadu kerol wata feji na pandi dundo no windi ka alqur'an jonno onon kala ko wad ko wona e wadde ko hido fejjinde kerol o alay wadde limite modon dundun holubini jama lagine ko ni acci siddo ono sibbe maninka bebe miji mijito andu ko Allah subhanahu wa ta'ala mari dole wala hawla wala quwwata illa billah hasibuna Allah ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir you fam dundo kala wana goto ala dole sirna Allah subhanahu wa ta'ala goto wawata wadde fus goto wawata dole sirna Allah subhanahu ko Allah subhanahu wa ta'ala kadi yonay gine bebe ko be wona wullutude ko nyande dubi ko me wona wullude ko berde amen ko sofiko ko Allah subhanahu wa ta'ala nyaway dundo ko Allah subhanahu wa ta'ala jonnay me solution dundo hakke men en population lagil hakke ko me ko mardon ko e meden ko dundo itte Allah subhanahu wa ta'ala o yobay mo kala njoddi ko wadi ko Allah subhanahu wa ta'ala yobay mo kala ko wadi ko ala mumirike ma isari na fima mukala oyoba mukala njoddi makoko wadi ko adi mo be sarai la ke balala donc mbadi mano anye miri kamiri kamiri kasini nyasi ne de sika wuli fali donc mes frères guinéens je peux pas être trop long dans mon vidéo je vais m'arrêter là aujourd'hui je suis de cœur avec vous je suis votre fils je suis votre enfant je suis votre frère, donc toujours, je suis à votre disposition. Et aimons entre nous comme le bon Dieu nous avait aimé. Donnez la main dans la sincérité et la transparence. Préservons l'avenir. On doit préserver l'avenir, donner un bon exemple. Le mauvais arbre que nos frères malinqués a implanté dans notre pays. Cet mauvais arbre-là, ils n'ont qu'à couper cet mauvais arbre. C'est très mauvais pour les malinqués. C'est très mauvais pour la Guinée, c'est très mauvais pour les malinqués. C'est pas bon du tout. Ils ont pensé aujourd'hui, c'est eux qui sont éléphants. Demain, ils peuvent devenir mousse. Ils peuvent devenir mousse. Sorti, tu peux te considérer que tu es éléphant, demain tu n'es rien. La vie c'est comme ça. Tout ce qu'on va faire, on va réfléchir, on va penser, on va analyser.
et les conséquences positives et négatives. Mais Alpha Condé, ce n'est pas espoir de la Guinée. Alpha Condé, ce n'est pas solution pour la Guinée. Alpha Condé, c'est un poisson. C'est poisson. Il est dangereux plus que le poisson pour la Guinée. Avec ses clans. Kaoukaré est mort. Alpha Condé n'a pas présenté son condoléance, ni Twitter, ni Facebook, ni la radio, ni aucun média. Mais même si on dit que le premier ministre est parti, et beaucoup de ministres sont partis, les funérailles de Kaoukaré, mais est-ce que si vous avez vu dans son Twitter, le Twitter de Alpha Condé, là où il a présenté son condoléance pour la mort de Kaoukaré, j'ai besoin que vous m'envoyez. Un, si vous avez vu dans son passe de Facebook, là où il a écrit son condoléance, j'ai besoin que vous m'avez envoyé. Si vous avez vu dans ces médias, dans cette communication, là où il a présenté, ou bien il a prononcé la mort de Kaoukaré, j'ai besoin de ça. Vous n'avez qu'à m'envoyer. Donc, voici, c'est extrêmement dangereux la situation de la Guinée. La famille de Kaoukaré est en deuil aujourd'hui. Moi, Kaoukaré, je le remercie. Le bon qu'il a fait en Guinée. Si il a fait tout le bon qu'il a fait, je le remercie. Le mauvais aussi qu'il a fait, il avait crédit aujourd'hui. Je présente mes condoléances sincères, mes sincères condoléances à la famille et avec ses enfants. Je ne souhaitais pas et je ne souhaiterais pas l'amour de Kaoukaré, mais Dieu a voulu comme ça, que son âme réponde en paix. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Avec les aides de camp de Fabou Camara, la famille de l'aide de camp de Fabou Camara, là, le policier là qui est mort là, ils ont dit que c'est une crise cardiaque. Mais c'est Dieu seul qui sait ce qui est la vérité. Donc je présente mes sincères condoléances à la famille. Que son âme réponde en paix. Parce qu'au moins, il a servi la Guinée. Il y a un moment donné, avant que Alpha Condé va faire un lavo-cerveau, avant que Alpha Condé va le manipuler, il a servi la Guinée une bonne manière. Mais aujourd'hui, il est mort. Donc, je présente mes sincères condoléances à la famille. Donc, je fais bénédiction à la défunte, que son âme réponde en paix.